particulièrement nos malades. Nous verrons au cours de la Semaine Sainte que Jésus guérit l'aveugle de la piscine de Bethesda. Nous avons aussi, ce n'était pas cette année, mais la résurrection de Lazare nous a été racontée dans ces derniers dimanches. Et nous savons combien le Christ est proche de la souffrance de ceux qui souffrent. Nous savons qu'il vient libérer tous ceux qui sont dans la peine, tous ceux qui sont dans la souffrance. Nous savons aussi qu'il vient comme goûter à notre souffrance, lui qui vient pour pardonner toutes nos fautes, pour les prendre sur nous. Nous nous tournons humblement vers le Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Le juste, mon serviteur,
justifiera les multitudes et il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Avec cette semaine de la Passion et l'entrée qui arrive de la Semaine Sainte, nous approchons un mystère de la vie de Jésus. Pourquoi Dieu a-t-il voulu nous sauver par la croix? En effet, si Dieu est tout-puissant, il lui aurait suffi pour nous sauver de claquer des doigts et de dire « Oh, les hommes, vous êtes sauvés ». Cela, il pouvait le faire. Et ça nous aurait paru sans doute beaucoup plus simple. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que Dieu a agi. Dieu a voulu partager la souffrance des hommes. Il a voulu aller jusqu'au bout de notre humanité. Il ne s'est pas fait une humanité comme un déguisement. Au contraire, dès sa conception, il a habité pleinement notre humanité. Il en a vécu toutes les avènes, toutes les joies aussi. Parce que notre Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il fait tout pleinement et il le porte à sa perfection. Alors je ne vais pas essayer de vous expliquer ce mystère de la souffrance. Nous pouvons relire l'encyclique Spécialité du pape Benoît XVI qui l'explique avec de très jolis mots. Mais là encore, nous n'avons pas la solution finale au mystère, voire au scandale de la souffrance. Mais ce que nous savons, c'est que le Christ l'a vécu pleinement. Il l'a vécu lorsque la Vierge Marie, nous l'avons fêté hier, à cette annonciation de l'ange Gabriel. Comment cela va-t-il se faire? L'Esprit Saint viendra sur toi. Et 9 mois avant Noël, voilà que Jésus est conçu de l'Esprit Saint dans la chair de la Vierge Marie. C'est-à-dire que comme chacun de nous, il a été ce qu'on appelle un zygote, ce petit être monocellulaire, si fragile, si fragile. Nous savons aujourd'hui combien il est difficile pour des mères de porter la vie. Eh bien, la Vierge Marie a fait ce choix. Sans doute, les regards autour d'elle n'ont pas été forcément tendres, elle qui n'était pas mariée. Mais elle a accepté, par amour pour celui qui était plus grand qu'elle et qui s'était fait tout petit en elle. Et puis nous nous souvenons, bien sûr, de la naissance de Jésus, du dernier mois de grossesse avec ce voyage obligé de Nazareth à Bethléem, de cette naissance qui n'est pas dans un palace, ni même dans une maternité, mais qui est au fond d'une étable, à l'écart, avec les animaux. Et puis ensuite, ce n'est pas une enfance simple comme nous pourrions l'imaginer, mais c'est tout de suite l'immigration, la fuite en Égypte, où la famille se retrouve sans ressources, dans un pays inconnu. Il y a aussi certainement toutes les joies de l'enfance, toutes les joies de cette sainte famille. Nous avons, il y a 10 jours, fêté Saint-Joseph, même un peu moins, une semaine. Eh bien, quelle grandeur de Saint-Joseph. Pourtant, dans la sainte famille, il est sans doute par la sainteté le plus petit, face à la Vierge Marie, la première de notre humanité, et le Christ, Dieu lui-même. Mais il y a eu entre eux ce climat d'amour, de partage,
Et puis, lors du ministère public de Jésus, certainement qu'il a connu la faim, la fatigue, la soif, puis devoir parler devant ses foules. On le voit même avec la Samaritaine, et ceux qui ont des catéchumènes dans leur paroisse ont entendu cet évangile, on le voit fatigué, obligé de se poser à côté du puits. Il n'a pas fait semblant. Et puis plus il s'approche de Jérusalem, et plus nous voyons dans les évangiles ressortir cette humanité du Christ. Il pleure la mort de Lazare. En voyant Jérusalem, son âme est bouleversée, secouée. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Il sait ce qu'il attend. Nous aussi, parfois, nous savons d'une certaine manière ce qui nous attend. Lorsque, ayant été malade, eh bien, nous avons une rechute. Ou bien, lorsqu'après un confinement, on nous en annonce un deuxième. La première fois, c'est l'expérience, c'est presque rigolo. Mais par contre, la deuxième fois, nous savons par où il faut passer, et c'est beaucoup plus dur. Et bien là encore, le Christ est avec nous. Il sait par où on doit passer. Et il y va. Il y va par amour pour son Père et par amour pour chacun de nous. Et puis, nous le verrons dans les prochains jours, il y a cette passion de Jésus, où il subit la trahison de ses amis, où il subit les coups de fouet, les insultes, les moqueries, les coups de poing, la croix, le manque de sommeil entre le jeudi saint et le vendredi 15h, la faim, la soif, on ne lui donne que de l'humilité. Non, vraiment, le Christ n'a pas fait semblant. Et s'il n'a pas fait semblant, je pense que c'est pour nous montrer que notre souffrance, il l'a confessée. Dieu n'a pas voulu la souffrance. Elle vient des conséquences de notre péché. Mais Dieu la prend au sérieux. Il ne nous dit pas « Relève-toi, je vais te faire un bisou magique ». Non. Il vient habiter notre souffrance avec nous. De ce qui était la conséquence de notre péché, il vient la prendre sur lui. Cette souffrance qu'il n'avait pas désirée, il l'a fait sienne. Et jusqu'où? Et nous le savons, dans la nuit de Pâques, ce qui était ce rejet de Dieu par l'humanité, nous ne voulons pas de toi, nous te mettons en croix, devient notre salut. Oui, Dieu est plus fort que la mort. Eh bien, il fait pareil avec notre souffrance. Il est capable, Dieu, d'en faire une source de salut. Parfois pour nous, il y a des personnes qui, devant la souffrance, finissent par se tourner vers le Seigneur, comme l'ultime recours. Si elles avaient pu se tourner vers lui d'une manière plus simple, eh bien évidemment, Dieu l'aurait souhaité. Mais même dans ses pires instants, il permet qu'elles puissent le rencontrer, le découvrir. Et puis, il y a aussi tous ceux pour qui nous pouvons offrir nos souffrances. En soi, la souffrance n'aurait pas de sens du point de vue. Mais si nous nous unissons à celle du Christ, si nous désirons l'offrir pour être à ses côtés lors de sa passion, alors nous sommes avec lui. Alors, il nous permet de participer à la rédemption de nous-mêmes et de nos frères. C'est ce mystère que nous méditons dans le chemin de croix avec Simon de Cyrène. Ce pauvre homme qui revient des champs, qui n'a rien demandé, qui mérite son repos, et
qui se retrouve à porter la même croix que le Christ. Oh, pourtant, il n'est pas innocent, sinon. Il est pécheur comme chacun de nous. C'est Jésus qui est innocent. Mais il permet à Simon de partager cette croix, de partager les crachats, les insultes reçues, pour que lui-même, Simon, puisse aider, participer au salut donné par Dieu. Eh bien, je crois que une des réponses à la souffrance est là, dans cette grâce que Dieu nous donne, de même que la mort n'est pas une fin, mais qu'elle est, par la grâce de Dieu, par son amour, l'entrée dans la vie éternelle. De même, la souffrance peut devenir féconde. De même, en Dieu, elle n'est pas vaine. Et nous savons que par ses blessures, nous sommes guéris. Nous savons qu'au jour de la résurrection, que lorsque nous serons face à Dieu, nous aurons toute notre consolation, et même davantage que tout ce que nous aurions espéré. Demandons au Seigneur de nous garder dans cette espérance, demandons-lui de savoir avancer avec courage, par amour pour lui, en sachant que quel que soit le chemin que nous devons passer, lui est passé devant nous, et il reste à nos côtés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ceux de la paroisse, de nos familles,
tous ceux que nous portons dans le secret de nos cœurs, et nous te remercions pour les grâces reçues. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur, supplions avec confiance Jésus pour qu'il réconforte nos frères malades et les appelle à guérir. Et nous disons la prière de saint Louis. Ô bienheureux saint Louis, qui avez rendu la santé à un grand nombre de malades, procurez-nous la santé du corps et surtout celle de l'âme, afin que marchant sur nos traces, dans l'humilité et la pénitence, le renoncement au monde et à nous-mêmes, nous méritions d'avoir part pour vous, au choix ineffable de l'éternité. Amen. Avec l'intercession de saint Louis, supplions avec confiance le Seigneur Jésus pour qu'il réconforte nos frères malades et les appelle à guérir. L'intercession de saint Louis. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances, pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades. Réconforte-les dans leur épreuve, raffermis leur espérance, qu'avec ta bénédiction, ils surmontent leur maladie, qu'avec ton aide, ils recouvrent la santé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous maintenant vers le Seigneur et adorons-le dans son Eucharistie.
Ensemble, le lendemain de la fête de l'Annonciation, nous rappelons le oui de Marie, honorons notre Mère du ciel. Et tant que nous couvrons tout.
ensemble. Merci beaucoup aux sœurs pour leur accueil. Et puis, bonne semaine sainte à vous tous. Merci.